personne sur la liste de Bourouakba Oussou, c'est la maman du président de la CESA de Côte d'Ivoire. Amen. Tu dis son nom et puis je vais parler. Koï Afoua. On acclame la maman Koï Afoua qui a fait ce joli garçon. Eh hey, sois comme ça les gamboués. Bon, il y a voyé les Jésus. Eh, sois comme ça les gamboués. Bon, il y a voyé les Jésus. Bon, il y a voyé les Jésus. On s'en sort, on s'en sort. Je dis au monde entier, assez précise, c'est le baptême de ma génitrice. Elle est contente, elle est en train de danser. Alléluia. Et c'est important. Pas de quoi. Ni à ma sonne, ni à mi plaie, ni à me. Il y a ne ma sonne. Ba mia ok, besoin de votre. Moi, je suis sur la mia. Oui, je suis sur. Maou, oui, je suis sur. Oui, je suis. Elle dit, elle me suit, elle m'a mis au monde et aujourd'hui ce que je fais, elle le fait aussi. Pardon? Voilà. Et si monsieur, elle me signe à mi à son. Non, il y a mi à son ici. Ok, d'accord. Donc, Anne, il y a son nom. Si, bah, il y a tout son nom. Amen. Descends son pas. Amour, tu l'as mis pas. Eh, mamie, au monde, je suis en train d'en mettre au monde, je suis en train d'en mettre. Doucement. Yep. On va commencer la liste de Néné. Amen. La liste de Néné. De la sixième personne qu'on va appeler, c'est Kwaku Amena Madeleine. On acclame le Seigneur. Kwaku Amena Madeleine est la maman du pasteur de Daoukro. Pasteur Gérard, c'est sa maman. Là. Celui qui est là dans le fait, c'est sa maman. Je dis au monde entier, ce baptême est béni et c'est tellement merveilleux de baptiser ses mamans d'un certain âge. Et aujourd'hui, c'est une joie. C'est une joie. Vraiment. Le Dieu n'est pas dit seulement, mais à l'intérieur. Voilà. Merci. Tu vas faire? Eh bien, pour tout le monde, je vais vous dire. Nom de Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Ce jour important, ce jour crucial, ce jour fort, où nous voyons des hommes et des femmes qui prennent l'engagement de suivre le Seigneur. Père, qu'est-ce que j'ai à dire que tu ne saches? Qu'est-ce que je peux annoncer que tu n'aies annoncé? Père notre Dieu, tu as dit je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et ce matin, Père, il y a eu beaucoup de déplacements dans le Moronou, Père, et aussi depuis Abidjan. Pour ce moment important, lundi de Pâques, tu es merveilleux, tu es roi, Seigneur, puissant, efficace et élevé en dignité. Merci de ce que tu prends le contrôle au nom de Jésus. Amen. Je salue les hommes de Dieu qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Je salue mes aînés. Dieu vous bénisse énormément.
Je suis heureux d'être là, d'être avec vous. Je suis enfant de Brouakbaoussou. J'ai grandi ici et beaucoup d'entre vous me connaissent. Nous sommes venus ici pour un moment important. Est-ce qu'il peut y avoir un interprète pour que nous puissions entendre aussi? Un interprète en Agni. Alléluia. Ça peut aller? Il faut que nos mamans entendent ce que nous sommes en train de dire. Est-ce que le pasteur Jérôme est là? Ok. Merci. Je disais qu'aujourd'hui est un grand jour. Un jour important. Nous sommes déplacés pour ce grand jour. Non seulement nous sommes au lundi du Pâques, mais ce jour est un grand jour pour moi. J'ai été converti à la veille du Pâques, un samedi. Et on va faire un mari Jésus fou tient con né aller tient obédi paqué. Cette année-là, à force, je suis venu en congé. On va aller ben tu libé nous. J'étais élève. Nous tu sous couba. Et j'étais avec ma cousine. Né wani ni ma blacon. Père à son âme qui s'appelle Nathalie. Wasi yena Veronica Oli Nathalie. Nous étions venus. Ben wali. J'étais ma grand-mère était vivante. Né enana la so enyente oso. Akamoa idu mayu abo. Et il y a une fille du village qui partait travailler pour elle. Né talua kun o kulo asa o kodi juma mayi. Elle aussi elle est élève. Et là soit tu sukruba. Et lorsque je suis venu, ko wali. Ma grand-mère m'a parlé d'elle. Na enana wa han dahri. Qu'elle est bien. Ke wati pa. Qu'elle l'aide à travailler. Onia enika. Et donc, je suis élève, je suis arrivé. Et là, on te soukrou ba wawa. Et quand ta grand-mère te dit ça, quand on en a encore un kakoklo, tu sais ce qu'elle veut dire. Et c'est une débokende kan. Et donc, je me suis attaché à elle. Na la soa fa on te taloua. C'était un vendredi. Ne on te ya tien. Et ce jour-là, tiens so. J'avais fait mon programme. Na ne wa sisi en. Avec la jeune fille. On est taloua. Que ma grand-mère a parlé d'elle. Et c'est ma cousine qui leur a dit ce qu'il va faire ce vendredi là. Aujourd'hui là, c'est pas bon. Donc comment vous pouvez faire pour l'empêcher? Empêchez-le. Ils avaient un programme ce vendredi. C'est l'endroit que notre oncle a rendu en hôtel aujourd'hui. Et ils m'ont invité. Je suis venu avec ma soeur, ma cousine. Quand ils ont commencé le programme, ma soeur est tombée. Elle était possédée. On ne peut pas aller à la maison. Je ne peux pas suivre mon programme. Donc, je suis resté avec ma cousine. Parce que eux, ils venaient de commencer. C'est la première fois qu'ils voient une manifestation. Leur première délivrance qu'ils ont fait, c'est sur ma cousine. De 20h jusqu'à 6h du matin. Le pasteur François a déclaré une parole qui m'est restée en esprit. Il dit: on vient de commencer. Yabo. Seigneur,
Si tu ne fais pas quelque chose qu'elle n'est pas délivrée et que le lendemain si les parents voient on aura problème parce que les parents ne sont pas d'accord pour l'église que nous amenons. Après cette parole ma cousine s'est levée, les démons sont partis et de là nous sommes partis. Voici comment je me suis donné au Seigneur. Ils ont gâté mon programme pour le programme de Jésus. Donc c'est le samedi de Pâques. Et c'est en Pâques que j'ai connu le Seigneur. L'année passée, j'étais venu pour voir mon père qui s'est converti, qui a été baptisé ici. Quand je suis parti voir mon père à Kakro, je lui ai dit, je reviens le lundi de Pâques. C'était un mardi. Et il m'a dit ceci, tu ne me trouveras pas. De mardi jusqu'au lundi de Pâques, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche 9 et lundi de Pâques. Mon père m'a dit, tu ne me trouveras pas. Je lui ai dit, mais pourquoi je ne vais pas te trouver? Il dit, c'est mon heure. Quelle heure? Il dit, le Dieu qui t'a appelé, qui a fait que moi aussi aujourd'hui, je connais ce Dieu. Tu le connais mieux que moi. Alors lundi, si tu viens, tu ne me trouveras pas vivant. Mais c'est mon corps que tu vas trouver. Alléluia. Je suis en train de vous dire que Dieu est vivant. S'il n'était pas avec le Seigneur, s'il n'avait pas accepté le Seigneur, il ne pouvait pas connaître le jour de son départ. Je suis allé à Abidjan le mardi. Abidjan, Joro. Mercredi. Mlan. Jeudi. Uho. Vendredi. Ya. Samedi. Fou. J'ai appelé un petit frère. Na wa frère, il y a ma kankon. On a même père. Benyo en bercetekon. Mais on n'a pas même mère. Beni tiakon. Il est gendarme. Wote gendarme. Parce que de vendredi au samedi. Apen. Ya dede bodu fou. J'ai vu mon père en rêve. Ou liye, elle, et baba, elle a lien. Et il me dit, ce que je t'ai dit, ne prends pas ça amusement. Je dis, tu ne vas pas me trouver le lundi. Mon petit frère est venu samedi. Je lui ai dit, je viens du village. J'ai dit à notre papa, je vais venir le lundi de Pâques. Il me dit, je ne vais pas le trouver. Mais comme il m'a laissé des mots, il m'a dit ceci. Ça tombe. Son cercueil. Il ne veut pas qu'un membre de sa famille mette l'argent dedans. Donc voilà ce que mon père m'a dit. Alors, il a dit que lundi ne va pas le trouver. Cherchons à réfléchir. Comment on va s'organiser pour l'enterrer? Mais dignement. On a fait la réunion. Quand on a fini, ma femme lui a donné à manger.
na eye waton chama ihunkan. Et il a, comme c'est un gendarme, on l'a appelé, il partait d'urgence. Ken wati gendarme na ba fle nu oko juma. 30 minutes. Odu doire aburasan. On a un frère bizarre. Il a so belebe ni amakon. Wati bizarre. Il m'envoie un mot. Belebe ni amakon, on gbe man so pa. Il ok penso mais ati unya unya. Ati unya unya. Il m'envoie un mot. Opa, dekun koma yo. Il dit ton père est mort. Iwa wasi wau. Samedi. Fou tiens. 16h. Do na ne soa do na. J'ai répondu comme c'est pas ton père aussi. Iwa na ilaso wa krebie. Ke o de na osi bie. J'ai compris. Mati. Et puis j'ai fermé mon portable. Na yo onyiri portable. C'est après. Oyol kla. On m'a annoncé. Yeah. Par la voie normale et légale. Yeah yeah. Ani amamwonu bebori sel. Qu'il est parti. Que ben c'est. Je connais le Seigneur samedi. À la veille de Pâques. Né. Moi j'ai connu le Seigneur le samedi à la veille de Pâques. O fale on mane nyamia. Allez tchinebe di Pâques. Mon père rejoint le Seigneur à la veille de Pâques un samedi. Et c'est là où a pu y amener alors avec qui on est Pâques. Et tout à l'heure, je viens de baptiser ma génitrice le lundi de Pâques. Et ma mère tous nous bali Pâques ikisie. Alléluia. Amen. Donc la fête de Pâques. Iti Pâques est fête. Et la période de Pâques. On est va me rappeler à vie trois événements. Afin wahrenu papa nzan. Ma conversion. Et voyons femme le nyamia. Le départ de mon père converti. Et c'est iwo. Et la et le baptême. Yeah et ma mère là sous izon tole. De ma mère qui se passe aujourd'hui. Je suis un homme comblé. Parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît son départ comme mon père m'a dit que lundi de Pâques ne va pas le trouver. Il n'a pas vu que sa femme allait être convertie le lundi de Pâques. Mais c'est un événement. Je suis tellement heureux d'être avec vous. Vous allez saluer ces deux hommes de Dieu, yeba, mes aînés, mes devanciers dans la foi et dans le Seigneur. Yeba, le pasteur François et le pasteur Nicolas. Merci. Mon papa m'a dit, je vais dire à Nani, fête nyoa. Son papa lui a dit que c'est l'union qui fait la force. Fête. Quand deux faibles s'assemblent, ils deviennent solides. Ça veut dire aussi deux feuilles. C'est ou plusieurs feuilles. C'est nyam donc associées. Il est difficile de les déchirer. Nous avons commencé ici. Nous avons tout vu. Nous avons tout connu. Je me souviens quand on priait que quelqu'un vienne nous bâtir le temple. Sur l'ancienne route d'Aferré, on avait un grand terrain. La méchanceté et la voyousie. Parce que celui qui a pris ce terrain, qui est notre terrain, le terrain sur lequel nous avons commencé, on devait construire. J'appelle voyou. Afin on se que on te arracher une terre afin, c'est qui appartient à Dieu
Que tu sois âgé, que tu sois mûr, c'est de la voyousie. Parce que tu te compares à Dieu. Mais si l'auteur qui a pris cette terre et ce terrain, s'il vit encore, s'il est dans ce village, dites-lui que le président de la mission de la César, fils de ce village, j'ai grandi ici et Dieu m'a permis aujourd'hui d'être ce que je suis. S'il a un fils ou une fille dans l'assemblée, qu'il dise, qu'il sache que le terrain des jumeaux, parce qu'en prenant, les gens lui ont dit que c'était pour l'église. Toute maison qu'on mettra sur ce terrain ne portera jamais de vie et de bonheur à ce monsieur. Parce que c'est notre terrain. Nous avons travaillé dessus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est le terrain de Dieu, la terre de Dieu. Et on n'acceptera pas aujourd'hui, ni demain. Parce que l'ancien chef du village de ce lieu sait que ce lieu nous appartient. Je sais que c'est sur la voie de l'ancienne route d'Afféré. Pour dire à toutes et à tous, votre fils revient. Nous reviendrons en août. Mais nous allons vous démontrer que ni le cocotier, ni les rivières de ce village, ni les puissants de ce village, ni les puissances et les sorciers de ce village, Akpaoussou n'est pas pour eux. Akpaoussou est pour Dieu. Akpaoussou est pour Jésus. Akpaoussou est pour le ciel. Ils ont entendu parler de Jésus. Ils ont entendu prêcher dans ce village. Ils ont entendu parler d'église. Ils ont entendu parler du Saint-Esprit. Ils ont entendu parler du ciel. Mais nous viendrons leur démontrer de quoi le ciel est capable. De quoi Jésus est capable. De quoi le Seigneur est capable. Et de quoi le roi de gloire est capable. En 92. En 93. En 94. Ils ont vu des échantillons. Ce terrain nous tient à cœur. On n'a pas encore fini de construire Akpaoussou. C'est chez moi. Akpaoussou est pour moi Nazareth. Akakro est pour moi Bethlehem. Jésus est né à Bethlehem. Mais il a grandi à Nazareth. Je suis né à Akakro. J'ai grandi à Akpaoussou. Il y a des cadres ici. Il y a beaucoup de personnes ici. Mais cette église que vous voyez fera parler d'elle au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Et donc, je vous dire, je suis content d'être là, de vous voir. Alléluia. Amen. Et de voir toutes ces églises et ces hommes de Dieu ici. Je vous dis, l'église ne donne pas de puissance. Mais le patron de l'église, qui s'appelle Jésus,
C'est lui qui donne la puissance. C'est lui qui donne la force. C'est lui qui élève. C'est lui qui détruit la puissance des ténèbres. C'est lui qui détruit les œuvres des sorciers. C'est lui qui a vaincu Satan. Si mon père ici a connu le Seigneur, il a été baptisé par mes deux aînés, c'est que Dieu est vivant, Dieu est puissant. Quand je me suis donné au Seigneur, il était venu voir ma grand-mère et on lui a dit que ton fils va à l'église. Il est dans Alléluia. L'eau qu'on lui a donnée pour boire, l'eau qu'on lui a donnée pour boire, il a versé tout le gobelet. Il a dit, il a appelé sa mère, il a appelé son père, il a appelé le Dieu de sa religion, il a appelé ses ancêtres. Il dit qu'il me donne une semaine pour renoncer à ma foi. Quand il a fini, je suis arrivé, on m'en a parlé. Quand mon père dit, il te donne une semaine, il a donné. Il pleut. Quand il passe, tant qu'il n'est pas arrivé, où il est là, il n'y a pas pluie. Il n'est pas mouillé. Il ne se mouille jamais. Parce que ce qu'il a là ne doit pas se mouiller. Mon père a fait l'islam dans sa profondeur. Et il a connu tout, il sait tout. Un jour, il m'a dit, quand le pasteur François est allé lui prêcher, il lui a dit, va et reviens. Il dit, dans leur monde, dans va et reviens là, il a pesé. Qu'est-ce qu'il est dans le monde spirituel? Alors, si le pasteur n'était pas posé, il pouvait faire ce qu'il pouvait. Quand je suis arrivé, comme m'a dit, ton père a versé l'eau, je suis allé prendre le même gobelet, je suis allé prendre la même eau et j'ai versé dans son eau. J'ai dit au Seigneur, je ne suis pas voyou. Je ne suis pas brigand. Je ne suis pas digué dans ma qui. Je suis pasteur. Non, je suis chrétien. En ce temps, je ne suis pas encore pasteur. Moi, je ne veux pas sa mort. Mais je veux qu'il vive. Et qu'il renonce à tout ce qu'il fait. Qu'il me suive. Il a fait en 93. Après une semaine, moi, il m'a donné une semaine. Mais moi, j'ai vécu. Moi, je n'ai pas donné de date. Mais pour finir, il s'est converti. Si ce monsieur c'est bien ça, s'est converti, qu'il est allé à l'église, qu'il est mort pour le Seigneur, tenez le Seigneur. Bakanda yelenuo yelenuo, bakanda yelenuo kri kri. Jésus bakanda yelenuo yelenuo, bakanda yelenuo kri kri. Saisissez-le. Il n'y a aucune puissance dans ce village qui peut se comparer à la puissance que nous avons. Nous avons Christ et Christ crucifié et ressuscité. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne craignez pas.
personne. Si vous avez Jésus, personne ne peut vous tuer. Personne ne peut vous détruire. Vous ne pouvez pas connaître la mort prématurée. Parce que Jésus est au-dessus de tout. Jésus est vivant. Personne n'a jamais pensé qu'un jour j'allais plonger Koyafoua dans l'eau. Koyafoua n'a yo. Personne n'a pensé qu'il allait plonger sa mère dans eau aujourd'hui. Nyamia le tumi. Nyamia, Dieu est puissant. Nyamia le tumi. Dieu est puissant. C'est ma mère aujourd'hui, je suis son père. Minio, ko so ané dia mti ici. Ané na ma wo. Ané wa wo yi fufle. Na yo. Ma wo. Ayo akukwa ba msanu. Tu viens d'être bébé entre mes mains. Donc, tu es né de nouveau. Alléluia. Amen. C'est une joie. Je ne suis pas venu vous dire beaucoup de choses. Mais ce que je suis venu vous dire est simple. Jésus est plus puissant. Jésus ne fait noir ici. Que toute rivière que vous connaissez ici. Quand on était petit, on nous a parlé de trois villages. Andé, Elenzué et Akpaousso. Et on nous a dit, ces trois villages-là. Klonzanka. Vers Bongwanou, on nous a parlé aussi de Ngan. Mais celui que nous possédons, Jésus, est plus puissant que Jésus, que toute autre puissance. Vous venez d'être baptisé. Confiez votre vie à Jésus. Ne vous amusez pas. Ne jouez pas avec votre vie. Jésus est Seigneur. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus y est en tout à soi. Amen. Amen. On va lire un passage. Et on va continuer. Luc, le chapitre 4, le verset 16 au verset 19. À partir du verset 16, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avait les regards fixés sur lui, alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. » Ce texte concerne Jésus. Et la Bible dit, il s'est rendu à Nazareth. Où il avait été élevé. Ce test me concerne aussi. Je suis à Nazareth. Où j'ai été élevé. Où j'ai été éduqué. Où j'ai connu le Seigneur. Bien-aimé. C'est la mission de Christ.
Jésus-Christ a La Bible dit qu'il est rentré dans l'église. Et on lui a remis le livre. Le livre d'Ésaïe, le prophète. Ésaïe, prophète, et aussi aujourd'hui, ce n'est pas le livre du prophète Ésaïe. Que je possède. Mais je possède le livre de Jésus. Il est Jésus, le roi des rois. Le prophète des prophètes. Jésus a dit l'esprit du Seigneur est sur lui. Cela veut dire qu'il travaille avec l'esprit du Seigneur. Une église vivante travaille avec l'esprit du Seigneur. Avant la naissance de Jésus, la conception de Jésus, le Saint-Esprit l'a précédé. Et dans ce lieu, si vous voulez être vivant, puissant, dépassant toutes ces puissances de ce village, dépassant tous les principautés de vos villages, il faut le Saint-Esprit. Lui qui est Jésus a dit, le Saint-Esprit est sur moi. Parce qu'il m'a envoyé. Vous qui avez été baptisés pour être fort dans vos villages, pour maintenir la foi, pour grandir dans la foi, il faut le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit. Une église pour imposer la loi de Dieu aux principautés des villages, aux sorciers des villages, il faut le Saint-Esprit. Jésus nous disait ici ce qu'il doit faire, sa mission, sa feuille de route. C'est pourquoi il est venu sur la terre. S'il doit réussir, c'est grâce au Saint-Esprit. Alors, bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit que le Saint-Esprit habite en nous. Un nouveau chrétien grandit par le Saint-Esprit. Un baptisé grandit par le Saint-Esprit. Un pasteur est ce qu'il est par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, le prophète n'est rien. L'apôtre n'est rien. L'évangéliste n'est rien. Le chantre n'est rien. Cherchez le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit est capable de chasser les mauvais esprits. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il faut que le Saint-Esprit de Dieu règne et domine. Et qu'à la César de Bourakpaoussou, tout sorcier qui traverse la route, sache qu'il y a le Saint-Esprit. Là où tu es, à Abéonou, quiconque te regarde voit dans ta vie le Saint-Esprit. À Bénéné, tous ceux qui te regardent voient le Saint-Esprit. À Kakro, tous ceux qui te voient voient le Saint-Esprit. Parce que nous pouvons tout par l'Esprit. Par l'Esprit de Dieu. Sans le Saint-Esprit, ce village et cette église ne pouvaient pas avoir lieu. J'ai dit qu'on priait pour que quelqu'un vienne construire. Alors que le Saint-Esprit avait marqué nous qui prions. Le Saint-Esprit avait fait de lui le maçon. Acclamez le Seigneur.
Le maçon, l'ingénieur, le concepteur de plan, et le Saint-Esprit fait de moi le financier. C'est-à-dire, nous deux qui prions là, on voulait l'argent ailleurs, on voulait un maçon ailleurs, on voulait des personnes ailleurs, mais nous étions les éléments qui devrait bâtir. Lui l'ingénieur. Et puis moi le financier. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Alors ce matin, je suis venu vous dire, sans l'Esprit, on ne peut rien faire. Sans l'Esprit, on ne peut pas être un bon chrétien. Sans l'Esprit de Dieu, une église ne peut pas grandir. Sans l'Esprit de Dieu, un pasteur n'est pas pasteur. Sans l'Esprit de Dieu, rien n'est possible sur cette terre. Cherchons le Saint-Esprit. Courons vers le Seigneur Jésus. Pour que le village soit gagné. Et que Morono soit gagné. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Je vais demander au groupe d'Abidjan de venir honorer leur mère. Pardon? Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ce matin, c'est une très grande joie qui nous anime. Et nous voulons réellement rendre grâce à Dieu. Dis merci au Seigneur pour cette grâce-là. Voir notre maman être baptisée aujourd'hui. C'est une très grande joie pour nous. Nous bénissons le nom du Seigneur. Et nous lui disons merci. Ici derrière moi, c'est toute l'église de la Seiza d'Anmabo qui est représentée. Et ils sont venus. Nous sommes venus ce matin te soutenir par rapport à ton baptême. Mais nous ne sommes pas venus les bras ballants. Oh, sonne le tiers, mais il y a ma, il y a ça nous fleuille. Il fallait ni dire qu'un fable. Nous disons merci au Seigneur. Et nous te disons aussi merci. Oui, merci à toi, maman Afoua, parce que tu nous as donné un grand homme. Alléluia. Tu nous as donné un grand homme. Et aujourd'hui, toi aussi, il t'a fait une grande dame. Et pour cela, nous disons réellement merci au Seigneur. Au nom de l'église de la César d'Anumambo, nous apportons ces dons-là pour honorer notre maman qui s'est fait baptiser aujourd'hui. Et on yo, à son nez, à mambo à son nez, on est bon, bah, bédou, mon nom. Wok, n'y j'ai qu'à, bon, étané, bon, fatake, kra.
Voilà. En plus des pagnes, maman, voici ce que tes petits-enfants te donnent. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne une très longue vie. Que tu vieillisses encore et encore et encore pour que nous revenions ici encore pour célébrer avec toi le Seigneur Jésus. Sois béni, maman. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Elle vous dit merci. Merci à vous. Vraiment merci au nom du pasteur et à mon nom personnel, au nom de ses aînés dans la foi et au nom de l'église d'Akpaousso. Nous vous disons merci. Merci pour votre déplacement. Merci pour ce cadeau. François, oui. François. Elle remet tout à François, la parole. Ouais. Ok. Elle n'a qu'à s'arrêter là. Tu m'entends, mon Yadoukou. Mon frère, tu as interprété ce que je vais dire. On va vous dire merci. Que la grâce de la vieillesse et de la procréation des enfants bénis soit votre partage. Amen. Bon, ma sérémao, dans le micro, il va interpréter. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui m'as mis au monde. Tu m'as élevé. Je me rappelle d'un jour, quand nous sommes venus à Kpaousso, tu as appelé notre grand-père Adou. Tu nous as présenté. Et tu as dit une chose. Tu es allé en mariage. Tu n'as rien eu. Mais tu as eu des enfants. Et le grand-père a dit, les enfants que tu m'as amenés sont plus grands que l'argent. C'est pourquoi moi aussi, mon premier enfant, il porte son nom. Il porte le nom du vieux Adou. À partir d'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu qui est sur moi, qui t'a attiré à me suivre, te suit aujourd'hui. En toyant d'huile, tous les regards des sorciers dans ce village, de ta famille, qui vont essayer de raccourcir ta vie, qu'ils soient éliminés. Le Jésus qui m'a pris et qui m'a permis de faire tout ce que je suis en train de faire. Chaque fois qu'un sorcier, malfaiteur, te verra, c'est Jésus au travers de ta vie. Je bénis ta vie pour que tu dures longtemps. Tu fasses plusieurs années encore dans la maison que je t'ai donnée. Toute œuvre de la sorcellerie, toute puissance soit éliminée dans ta vie. Si tu es malade, dis à Dieu, Dieu de mon enfant, Dieu mandé, au secours. Si tu fais un mauvais rêve, dis Dieu de mon enfant, Dieu mandé. Viens me sauver. Quelles que soient les difficultés, il faut appeler ce Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Qu'il vienne à ton aide. Jésus de Nazareth. Je veux te voir longtemps. Et vivre longtemps. Et que si tu dois aller, c'est
Il faut que Dieu lui-même te rappelle. Aucun sorcier, aucun esprit ne peut coûter ta vie. Tu es béni. Bonne arrivée dans le monde des chrétiens. Amen. Ebulie jumambo yedi ebulie nyamyambo yesu asi yesu ofiwo bebe bo wosino mo belaksu bebla besiwo so mayesu nyamyaso Jesu Kristu manu ndebo ofiwo wa biesua eno fite ma ehe les bénédictions prononcées sur toi par ton fils. Que cela réussisse. Au nom de Jésus. Alors, je bénis tous ceux qui sont déplacés d'Abidjan. S'ils ont un mot, donne-leur le micro. Mm-hmm. Amen. Okay. Elle dit, elle va danser. Elle va danser. Mm-hmm. Oh. La vieille. Oui, elle a dit, allons-y. Elle va danser. La vieille. Au moins, yo. C'est pas son nom. Et si abri. Y'a pas si. Voilà. Donc. Sans flemme, yo, flemme, bien. Bon, mambo. Bla. Sans flemme, yo, flemme, bien. C'est toi qui j'ai chanté, non? Baba, mais au lo, flemme, oh. Seigneur, mien fléi, au flébé la soubébié. Amen. Amen. Qui sait chanter? Marie. Oui. Marie sait chanter, non? Viens, elle dit, elle m'a promis, elle dit, si elle est baptisée, elle va danser devant nous. Ok. Elle dit, elle va danser. Là, si. Ça flemme, oh, flemme bien. Ça flemme, oh, flemme bien. Benga be aussi en la, oh, flemme bien. Ça flemme, oh, flemme bien. Benga be aussi en la, oh, flemme bien. Ça flemme, oh, flemme bien. Eh, Jésus. Ça flaire les biens, oh, flaire bien. Ça flaire les biens, oh, flaire bien. Béga, bé, oh, moi, là, oh, flaire bien. Ça flaire bien, oh, flaire bien. Béga, bé, aussi, là, oh, flaire bien. Ça flaire bien, oh, flaire bien. Béga, bé, oh, moi, là.